Alright tout le monde, je suis Justin. Aujourd'hui on se retrouve sur un nouvel épisode de Elden Ring. Donc avant là, épisode précédent, je voulais aller attaquer le château dans cet épisode là, mais avant ça j'aimerais ça rebuild mon samouraï pour qu'il fasse plus de DPS, mais pour ça il va falloir sacrifier un petit peu d'attaque qu'on a. Comme là pour l'instant j'avais deux Uchi Katana là. Puis je mettais gros dans mes dégâts pis tout. Mais là on va aller chercher un autre katana. Ok. Et puis on va se faire un build avec lui. On va avoir deux katanas. Et puis je vais faire un build avec. Puis on va faire des dégâts de sang en sacrament. Là je l'ai déjà équipé là. Fait que je suis quand même curieux de savoir à quel point ça... Moi je voulais pas l'avoir parce que ça me faisait perdre la vie. Mais je sais pas à quel point ça va valoir la peine. Fait que j'avais le goût de l'essayer. Et là pour commencer il faudrait que j'aille chercher mon katana. Anyway dedans ma petite fiole. Est-ce que c'est en bas ou en haut? C'est en haut. Dans ma fiole, anyway, j'ai comme des... ma vie augmente un petit peu par petit peu. Fait que ça va compenser un peu les dégâts vont me sacrifier, là. Ben, la vie, je vais me sacrifier. En tout cas, j'explique vraiment pas bien, là, mais... Dans ma petite potion, là. Oh, c'est où il est, là? Exactement. En bas. C'est direct ici. Et hop. On a déjà pété un dragon magma. Puis les dragons magma, en fait, il est plus fort que qu'est-ce qu'on s'en va faire drette là. Je descends comment? Il n'y a pas d'échelle? Ah. Oh. Oh. Yeah. On aurait besoin de tabarnak pour upgrader notre katana. Mais avant, là, comme là, j'ai essayé là, le sang, le truc de sang. Mais là, je suis curieux, pareil, de changer. Centre de guerre. J'avais mis le truc de sang, mais je l'ai mis à serrer pour avoir plus de dextérité quand même. Sinon, ça droppait trop. On va l'essayer les deux, voir qu'est-ce que ça fait. Là, avec les deux, j'ai one-shot les gardes. Mais là, avec lui, je me demande si ça va one-shot les gardes, lui, avec. On va savoir ça dans pas long. Avec lui, ici. Ah, je l'ai one-shot pareil. Fucking fort, pareil, mon build. Il est plus rapide comme ça et tout. Je me demande lequel que je préfère le plus honnêtement. C'est quoi ça, Calis? Ok. On va essayer d'aller en bas le plus vite possible là. Oh shit. Trompé de bouton. Mais merde. Oh my god. Bon, ça a l'air qu'ils veulent se fight. Lui s'en va. Il a compris que. Il n'y avait pas d'affaire ici. Celui le dragon, je pense, c'est lui. Ah ouais, il ouvre la porte, je vais le voir. Ah, il est là. Ah oui, mais.
Ah non, je suis pogné. Oh, il est assez fort, hein? Merde. Oh. Ah, il est fort. Je pensais pas qu'il était résistant de même pas. Hein? Tabarnak. Je pensais qu'il attaquait l'autre. Ah, il attaque l'autre et tout. Aïe, il est plus fort que l'autre, je pense. Ah, tu vois, j'ai fait un dégât de sang. La vie, elle a baissé fucking vite, ça c'est mes dégâts de sang. Le build que je vais faire là, c'est... ça va être vraiment juste pour ça. Il t'attend là, il restait plus de vie, j'essaie de l'attaquer, si il marchait pas. Good. Yeah! Éclipse lunaire! C'est ça qu'on voulait. On l'a. Retourner à l'entrée, oui. On n'a pas exploré tant que ça pour vrai, là, mais... moi, je voulais vraiment aller faire mon build. Le dégât de sang que je viens de faire, là, ça a droppé sa vie vraiment beaucoup. Là. C'est direct ça qu'on s'en va chercher. On va en faire plus avec le build que je m'en vais me faire. OK, puis là, pour ça, je dois retourner voir la petite madame, là, Lune. Église, coucou. C'est où? C'est ici? Oh, c'est là. Ouais. Ouais. OK. Là, ça lui demande combien? Il faut 23 d'intelligence. OK, on va mettre ça à 25. Adam. Now. Alright, bon. Intelligence, on va aller la monter à 25. OK. Attends, ça c'est à la fin que je vais faire ça. OK, après ça, mon esprit, ma vigueur. À 30, d'après moi. 15. Il faut beaucoup d'endurance parce qu'il faut quand même que j'attaque vraiment beaucoup. Ah, oh man, j'ai tellement... Je sais pas si je suis une bonne affaire pour elle. Je donne beaucoup de coups, mais ça me tente pas d'augmenter mon endurance pour elle. Hey, j'étais à combien, man? Je m'en souviens plus, c'est quoi mes stats? Ma vigueur est à combien? Elle était à 31. Je vais la mettre à 25, me la dropper un peu. 25.
Ma dextérité, t'as combien? T'as 40 cucs. Cent quatre, cent trois. Que ma forge je la laisse comme ça? Paraît pas, mais tu sais, ça l'augmente quand même. 251, 246, c'est ça. Moi, c'est vraiment ça qu'il faut. C'est vraiment ça que j'augmente le plus. Ça m'a laissé ça de même, ok? Là, j'ai rajouté de ça, fait que je vais pouvoir faire plus d'attaque. Non. Non, je vais laisser à 13 celle-là. Là. Mais il me faut quand même l'endurance. Faut que j'augmente un peu mon endurance. En même temps, si je suis pas sûr, man. Asti. Parce que là, je dois attaquer rapidement. Je dois avoir pas mal d'endurance pour pouvoir donner le plus de coups possible pour que je puisse faire le plus de bleed possible. D'après moi, à 15... Okay, je vais le faire dans le même comme je l'avais dit, ok? Et nous, on n'a pas fini de level up, là. Ça, c'est juste assez pour prendre mon katana. En plus, j'ai des talismans qui boostent mes attaques pis tout. Il y a une bonne équilibre comme ça. Fait que là, je peux aller là. Prendre mon katana. Éclipse lunaire. Ok. On va l'upgrader. Et tout, faut retirer et tout. On n'a même pas encore upgradé nos katanas. Et je sais tout, ça paraît là. Oh ben allez. Ça c'est pour ma vie quand je fais mon blood slash. Ça, ça augmente ma force. Ou. Non, augmente ma force. Il faut que ça aille la baisse. Ça va augmenter ma force. Ok. Là c'est vrai et tout, j'ai un autre truc de talisman. Tu regardes, mettons, on déséquipe toutes là. Check ça. Avec ça, là, mon PV monte à 910. Endurance à 105. Dextérité 38, c'est proche qu'est-ce que j'avais tantôt. La force, l'endurance, 18, 28, la vigueur. Hop, on le pogne. Lui, ici, il augmente la force jusqu'à 20. J'ai goût de le pogner, lui, avec. Pouf. Oh, mais là, attends, là. Lui. La force. La vie, 964. Ou l'endurance, plus d'endurance à 116. Moi, je pense qu'on veut plus d'endurance, là. Check l'endurance, là, est vraiment haute. On va lui donner pas mal plus de coups. Non, je m'en calise à toi. Centre de guerre, ça, je peux pas la mettre avec mon katana. L'autre Moonveil katana. Mais c'est pas grave, parce que moi, je vais aller... Oups, c'est pas ici. Puis le Moonveil Katana fait 50 de saignement. Là, mes attaques sont juste pas assez fortes.
J'espère vraiment que je suis à la bonne affaire, man. Sinon, si je vois que le build, je l'aime pas, le build, je voulais dire. Je vais. Voyons, Westy, je vais reprendre mon Uchi Katana. Puis lui, je veux le blood. Hop. Asserré. Regardez. Fait que là, mon statut à date pour un niveau 65. Mon arme gauche 2, qui est mon katana lunaire, fait 346 de dégâts. Arme 1, 253. J'ai 910 de vie. 84 de PC, 116 d'endurance. J'en ai déjà plus qu'avant. Puis j'ai mon intelligence. L'intelligence, ça va rester de même. C'était juste pour pouvoir manier mon katana. Elle est belle en calice. Fait que là, j'ai goût d'aller tester ça. Je sais pas sur quoi je vais pouvoir aller le tester. Il y avait des géants là-bas. On va voir à quelle vitesse que je peux tuer un géant. Là, c'est des petits bas niveaux, là, mais on voit la différence, d'après moi. T'es bien fatigué encore, Alice. Arrête de me piétiner. Est-ce que je faisais plus de DPS avec l'autre? Je sais pas, hein. C'est dur à dire pour eux, man. Faudra vraiment falloir que je joue avec comme faut. Mais là, ça paraît que j'ai plus de vie, man. Ça paraît en tabarnak que j'ai plus de vie, là. Attends, faut que je check quelque chose. Faut que je check mes DPS, ok? J'ai fait vraiment plus de dégâts de sang, par exemple. Ça, je l'ai remarqué. Parce qu'on s'entend là que mon combat avec la reine lunaire, là... Il a pas duré longtemps. Ah, j'ai oublié quelque chose. Ah, mais tiens, regarde, t'as qu'à l'avoir. On va y aller tout de suite. Ok, 551 avec cette attaque-là. On va l'essayer avec ça. Je l'aime en crise cette attaque-là pour eux. Moi, ce que j'aime, c'est quand tu sers, tu peux attendre que l'ennemi y attaque, puis quand t'as une ouverture, tu fais ton attaque tout de suite. Les ennemis avec des boucliers, là, ça l'aide en crise. 598. Je pense que j'aime mieux celle-là, man. Beaucoup plus de dégâts, man. Mais là, il y a un build. Là, vu que je peux avoir les deux, mes deux katanas.
Lui fait 153, elle 176. Mais là, je commence à être pesant un peu. Ah, mais j'ai plus de poids, fait que ça compense. Mettons que je prends les deux. Ah ouais, mais là, j'ai plus ma compétence, c'est ça l'affaire. Maintenant, elle m'a inversé. Oh oui. Oh my god. Je pense que je vais jouer ces deux-là, man. Les deux font du 50-50, garde 50-50. 346, mon arme des 1. 368, mon arme de gauche 2. Puis mon arme de gauche 2, c'est celle-là ici, je pense. Donc je vais dans mon inventaire. Ouais, c'est celle-là. Ok, ouais, dude. Hey, je pense que cette build-là va être vraiment OP. Avec ces deux katanas-là, là, je pense que ça va être OP, man. Les deux, je fais du 50-50 de Bloodlust. L'autre, j'ai mon Quick Shield. Puis en plus, ça a des dégâts de magie. La seule affaire, c'est que ça prend beaucoup plus de magie, je pense. Admettons, je compare. Ok. Ben. Ok. Oh, un petit peu plus. Il faut que j'augmente un peu ma magie. J'aurai pas le choix. Ok, j'attends. J'ai hâte de voir combien de dégâts m'a fait sur le géant. Là, j'avais 684 choses tantôt, là. Ok. 584 choses. Quasiment 600, là. Ah, c'est pas mal moins fort. Mais je fais du bleed en tabarnak. Dude, ouais. Ouais, je pense que, honnêtement, je pense que c'est vraiment pas pire. Je pense que c'est vraiment pas pire, man. On va aller voir quelques géants. L'affaire, c'est que je fais moins de dégâts quand je fais cette attaque-là, mais j'ai un plus long range. Ah. Ah, j'ai que ça, mes dégâts de bleed. Oh, ouais. Ah ouais, je pense que... Ok, on a refait un autre.
Je fais quand même du bleed avec. Je fais quand même du bleed avec l'autre. Puis j'ai une attaque plus puissante. Honnêtement, je sais vraiment pas lequel prendre. Mais l'autre a fait de la dégâts de magie aussi. C'est extrêmement dur à choisir, man. Il y a tellement de Ça, c'est quand même vraiment très gossant, là. Je pense que je vais essayer mon build. Moi, je vais faire du DPS, là, puis je pense que ces deux-là, quand j'attaque, fucking, tu sais. J'attaque rapidement, là, je fais du gros crise de dégâts. Puis en même temps, j'ai ça, regarde. C'est quand même bon, ça. Ah, là, j'en ai plus. Là, ça marchera plus. Puis tu sais, elle est pas upgradée, là. Elle est juste à 4, là. Même elle est juste à 4, là. Il me faut des pierres de forge 5. Sombre, whatever. Ça, c'est un petit peu compliqué à trouver, ça, je trouve. J'ai 9, j'ai 4, mais j'ai pas... Ouais. Avec celle-là pis elle. De même, je fais plus de dégâts. Là, c'est savoir est-ce que je fais plus de bleed. Autant de bleed. Y'a-t-il un autre géant proche? Ils ont tout pété, hein. En train de regarder ça ensemble. Comme je vous ai dit, l'épisode, c'est genre pour faire mon nouveau build. À date, j'ai vraiment pas détesté le combo le Moon Veil puis les météoriques. Mais là, c'est fatigant comme attaque, ça, c'est quoi ça? Dude, sérieux, je sais vraiment pas quel prendre. Mais j'ai vraiment pas détesté lui. Mais il fait moins de dégâts quand je fais une attaque. Mais je fais plus de DPS comme ça. Mais je fais moins de dégâts, mais j'ai un plus long range. On fait un autre test. Je fais un 600 de dégâts avec le Uchikatana, qui est extrêmement fort, que je peux upgrader quasiment à l'infini. Quelques G là? Ok. C'est bon. Passant qu'à avoir mon intelligence, je pense que j'aimerais mieux avoir ces deux katanas là, je crois. Les dégâts de saignement sont quand même vraiment très violents, là. Ah, check le saignement, c'est violent, là. Là, check ça, mettons, je tilte. Les deux en même temps, hop.
Non, c'est fort, man. Je pense que je garde ces deux katanas-là, man. Le Moon Veil pis les météoriques. Sérieux, là, c'est fort, man. Je fais plus de dégâts de saignement plus rapidement. Il faut que j'augmente mon endurance pis mes PC, par exemple. On a du chemin à faire, man. Là, mon esprit est à 15, endurance est à 18. Est-ce que j'ai un talisman qui augmente les PC rendus par la fiole? Je comprends pas, c'est quoi? Ça fait rien, ça. Ça fait rien, ça. C'est dans les fioles. Ça augmente ma vie un peu. Là, ma vie, elle a baissé quand même de pas pire. Augmente les coûts critiques. Ah, ça me donne des PV. Parce que le build que je cherchais, c'est d'avoir un Uchi Katana qui faisait des dégâts de sang, le gros slash de sang, mais quand j'ai vu que mon autre Foot Shield comme ça, il faisait plus de dégâts que le sang, puis je fais autant de bleed dégâts comme ça, là, je pense que c'est plus violent. Honnêtement, là. Faut que j'aille le retester. Faut que j'aille le retester. Désolé, man, on est vraiment là en train de tester mes cossins, là. Ok. Mettons, je m'en vais là. Je pogne le saignement ici. Acéré. Let's go. Hop. On s'en va. Où est-ce qu'on était tantôt? Je me souviens plus c'était où. Ici, on va aller péter la petite pieuvre, man. Je trouve que la pieuvre, c'était le fun à péter pour checker mes stats un peu. Qu'est-ce que j'aime pas, c'est que ça fait perdre ma vie quand je fais cette attaque-là. Ça me fait un peu chier. What? Hey, wow! Ta gueule! Je fais moins de bleed. Non, j'aime pas. J'aime pas. J'aime pas faire le même test avec l'autre. Je faisais pas ben de dégâts pour vrai. J'ai fait un 103 de dégâts contre lui avec mon bleed. Un 103 de dégâts. Ouais, là c'était les autres qui me faisaient chier un peu là. Petite mange une marde. Ouais, faudrait quelque chose qui augmente par exemple mes PC et tout. Bah, si je prends lui, ouais. Ça me prend beaucoup de PC, man. Honnêtement, je suis pas sûr que c'est mieux ça.
Lui, il est plus lourd, lui, il est plus léger. Critique 100, critique 100. Lui, tout critique 100. J'hésite entre mon Uchi Katana, le garder avec mon le même quick sheet que j'avais. Je trouve tellement que c'est le best là. Parce que lui je peux l'upgrader là, mon katana là, assez élevé là, plus que les autres je pense. Donc ça mettons je vois dans mon statut. 346, 253. Hey, ça a fait un beau combo là. Hey, il m'a pas pris de temps à péter pantoute lui celle-là là. Si je le change avec lui, va-t-il avoir une différence? C'était mieux avec l'autre. Alright. On va cesser là-dessus, man. On va essayer les builds. Moi, j'hésite vraiment entre avoir les deux épées, genre Moonveld puis Meteoric, ou avoir mon Uchi Katana puis mon Moonveld. Un des deux. Fait que j'hésite quand même vraiment beaucoup, là. M'aller checker, voir si des forums, des cossins de même ou des builds, genre si quelqu'un avait pas pensé à faire ce build-là ou ces affaires-là. Mais, ouais, man. La date, ça a du sens, là. Fait que j'espère que vous avez apprécié. D'autres, on se retrouve pour la suite. Restez à l'écoute, à la prochaine. Ciao.